Et donc bien bonjour à tous, c'est Décorix, on se retrouve pour le serveur test. Donc on va voir la match qui est prometteuse quand même. Je préviens, je ne vous montrerai pas Numisu ni Satrana et leur rework dans cette vidéo, ce sera dans les vidéos d'après. Et les deux prochaines vidéos d'après, donc celle-là, seront des vidéos un peu spéciales. Donc, on se retrouve pour checker les nouvelles fonctionnalités tout simplement. Donc il y en a deux grosses, une dans la bibliothèque et une ici à côté de la guilde qui s'appelle l'auberge du cétacé, non pas l'auberge des de baleines ou je sais plus trop quoi, Whale Inn en anglais. Donc ça ressemble à ça. Donc vous aurez un étage par Ascended, voilà, donc plus vous avez d'Ascended, plus vous avez un tour, une hôtel ou quoi. Donc de base vous aurez la première pièce et les deux autres sont débloquables au bout d'un certain temps et ça prend du temps, il y a des prérequis, etc. Vous découvrez par vous-même. Et plus vous avez de pièces, plus vous pouvez mettre de décorations, en sachant que c'est genre 3 par pièce, comme on peut voir avec les petits trucs là. Et ça dit si là par exemple c'est du légendaire, là c'est du élite, etc. etc. Et vous pouvez mettre des meubles. Donc chaque héros est là. Voilà. De base, ça donne un petit bonus, donc dès qu'il y a un petit meuble. Par exemple là, ça donne 0,8% de je sais pas trop quoi de vie, voilà. Et ça diffère en fonction des personnages, par exemple. Ici, ça donne 511 d'attaque, etc., etc. Ça dépend des personnes. En sachant que plus vous aurez de meubles, donc vous pouvez placer ici, et vous pourrez en mettre de plus en plus avec les différentes décorations et pièces que vous aurez en plus, donc jusqu'à 9, donc de 3 à 9. Quand vous cliquez ici et sur le petit i, vous aurez, donc si vous mettez 3 pièces, une nouvelle compétence. Donc un petit bonus que vous aurez, par exemple pour Rowan, lorsqu'il a 3 décorations en mythique, qui sont peut-être celles pour Rowan ou quoi, parce qu'il y a des meubles exclusifs à certains personnages aussi, et il y a des meubles un peu plus globaux. Voilà. Lorsqu'il consomme des potions de PV issues de la compétence ravitaillement sanitaire, les héros alliés régénèrent chaque seconde 1% de supplémentaire de leur PV pendant 10 secondes. Cette compétence est plus cumulable, etc. Il y en a pour tous les persos niveau 9. Et donc du coup, vous pourrez les voir dans le héros, les portraits. Vous choisissez votre petit héros, notamment Ferael, qui en a un qui est vraiment pas mal. Donc exclusive fourniture. Vous cliquez sur le petit i et quand vous descendez, vous avez ces deux petits trucs. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire pour Ferael par exemple. Voilà. Et vous avez aussi les stats que ça peut donner. Voilà. En sachant que j'ai l'impression que c'est en fonction du meuble que ça donne. Merde, c'est pas là. Que c'est en fonction du meuble que vous aurez des points de vie, des crédits ou quoi. C'est en fonction des meubles, j'ai l'impression. Vous avez un journal qui sert pas non plus à grand chose. Vous avez des illustrations de fourniture dont vous pouvez choisir un peu, genre. Voilà, là, Verdant Valley, voilà. Et il y a des petits trucs, voilà. C'est joli, on va dire. Ça sert pas à grand chose, à part quand vous voulez compléter, vous avez un petit bonus. Donc, dans la réserve, vous voyez aussi ce que vous avez. Reste céleste, héros, défense par nanana. Ou les guerriers, vol de vie par 2,3. Voilà. En sachant que vous pouvez vendre aussi pour des jetons. Si vous avez des trucs beaucoup en double, ou vous avez beaucoup trop de choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les vendre. Ici, vous avez Collection Chainsleft. J'ai aucune idée de ce que c'est, on n'a pas compris. C'est peut-être un espèce de classement de qui a le meilleur hôtel, la meilleure maison. Voilà. Et pareil dans vos amis, voilà, tout simplement. Après, vous pouvez gérer ici et voir, par exemple, je peux bouger Nemura ou quoi. 6 sur 15, on voit les pièces. Ah, on peut ouvrir B2, B3, B4. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que, en fait, ça, au bout d'un moment, ça va pas plus haut, mais ça se débloque vers la droite aussi. Puisqu'il y a énormément de persos maintenant, donc je peux en avoir 15, peut-être 15, 15 et 15, voilà. Et on peut ajuster les bâtiments, donc peut-être bouger les bâtiments B1 en, B2 en B1, etc. Et les étages comme ça, voilà, tout simplement. Juste après, vous avez le petit atelier, donc ces deux petits jetons que vous obtenez en AFK. C'est environ 1 toutes les 2 minutes. Voilà, et il en faut 3000 pour faire un x10, et vous avez une petite liste de souhaits pour mettre vos héros. Donc je pense que je ferai une vidéo sur quel héros a vraiment des des compétences en plus tellement pétées qu'il faudrait les avoir en truc. Voilà. Désolé de cet imprévu, je ne prédis pas quand on peut m'appeler. Bref, je disais que je ferai sûrement une wishlist quelque part, où je demanderai à Carter de me faire une jolie image pour dire qui mettre.
dans la wishlist avec la compétence ou quoi qui font que c'est pété. En sachant que je pense les carrés comme Atalia, Aaron, Safiya, il y a qui d'autre, Lika, Rowan, j'ai plus d'idées, Ferrael du coup, et d'autres, d'autres light, d'autres trucs, etc. Bref, je connais pas encore malheureusement toutes les compétences, donc je peux pas dire lesquelles sont pétées ou quoi. Du coup, je pense même que si vous n'avez pas le héros encore Ascended, c'est peut être rentable d'essayer déjà de récupérer les meubles pour pouvoir pré-shot ses compétences, voilà, tout simplement. Donc, la petite liste de souhaits pour avoir les trucs spéciaux, et je pense que ça doit donner aussi des fournitures un peu globales, voilà, tout simplement. Et du coup, vous pouvez faire des singles ou des multi, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de différence en soi, puisque, tout simplement, il n'y a pas de réduction. La seule chose que ça change, c'est qu'en fait un x10, on a théoriquement plus de chances d'avoir un mythique qu'en x1. Ça, c'est comme sur tous les tirages. Si on pouvait faire des tirages x100, j'essayerais de faire des tirages x100 parce qu'on a toujours plus de chances dans un tirage x100 que dans un tirage x10, tout simplement. C'est des probas. En sachant que tous les X tirages, on aura un petit parchemin qui doit donner un meuble. Pareil, c'est le même principe, je pense. Voilà, tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour pour cette chose, en sachant que voilà, par exemple, on peut modifier la salle, inverser les meubles et tout, c'est une jolie interface, c'est plutôt pas mal. Il y a un agencement auto aussi, automatiquement, qui doit sûrement mettre au meilleur ou quoi, en fonction de certaines choses. Oh, c'est rigolo, ils peuvent se balader et tout. Bon, il y a un petit côté social, Sims, c'est rigolo, voilà, tout simplement. Donc, deuxième grosse fonctionnalité de cette mage, qui est le champ étoilé. C'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. Ça ne prend pas en compte le VIP. Tenez-en compte. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous avez donc une jolie animation. Vraiment, ils se sont fait plaisir au niveau des animations. Regardez, oh, regardez comment c'est clean. Vraiment, si je pouvais avoir les développeurs qui disent ça et les remercier, c'est vraiment incroyable. C'est fou. En sachant que ça prédit sûrement qu'il y en aura plus dans l'avenir, peut-être. Pour l'instant, il n'y en a que 5. Peut-être qu'il y en aura plus. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est bon, je vérifie, on sait jamais. Voilà, donc chaque petit arbre différent est tout simplement un concept. Donc par exemple ici, vous pouvez démarrer de la gauche et démarrer d'ici, et sûrement celui-là ça doit commencer ici là, et ça descend. Vous pouvez pousser, donc ça consomme du gold, 1500, c'est pas énorme, et du temps. Donc vous pouvez amortir ce temps avec des diamants, ce qui coûte pas non plus très très cher. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, The Calice, je l'ai dit un peu en mode québécois, c'est bizarre, donne des jetons de la biraque, donc 15%, encore 15% et encore 15%, en sachant que vous, comme vous pouvez le voir, il y a des prérequis. Donc là par exemple c'était genre chapitre 20 je pense, chapitre 21, et là chapitre 25, ça doit être un truc du ciel, je sais pas trop. Ici ça donne des points de Daily Quest Chest Reward, 50... En gros, à 60 points, vous aurez 50 diamants en plus, donc c'est très intéressant. Là, par exemple, à 80 points, vous aurez un petit tas d'expérience en plus, c'est vraiment cool. Et à 100 points, vous aurez un petit tas d'or de 2 heures, voilà. Ici, 20 points en 8 clics, donc en semaine, ça donnera 50 essences distordues, ce qui est vraiment pas mal. À 40 points, vous aurez des POE points. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être les nouveaux coins, je pense. Ici, vous aurez 20 emblèmes primordiaux, donc les violets à 60. À 80, vous aurez 10 emblèmes gold. En sachant que là, par contre, c'est chapitre 30. Ça commence à faire beaucoup. Et là, chapitre 31, vous aurez 5 raids emblèmes à 100 toutes les semaines. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est The Calice. The Northern Helm. Donc commence en haut et là commence en haut et lui celui-là commence en bas. Donc Daily AFK Reward, jeton d'amélioration commun de base 40, ok. Base quantité 40, pareil, je vous laisse voir un peu. Ah, ça c'est pas le prioritaire. Mythique, alors celui-là c'est celui que vous devez faire au minimum. Je pense qu'il doit se débloquer genre chapitre 16, 18, un truc du style assez tôt. 30% de chance d'obtenir du mythique en plus, faites-le. Première chose à faire, je pense même que je vais claquer des diamants pour le passer instant parce que c'est beaucoup trop fort. Là, ça augmente de 30% encore, 24-60. Et là, 32-60, ça fait beaucoup quand même. Je pense pas jusque-là, moi. Encore 30%, après mal. Ici, vous avez donc les jetons de Team Hunt, donc de Guild. 15%, 15% encore, 17-40. Et 21, 15% encore. Vraiment pas mal. Sand of Time, donc à gauche, là en à droite et là en
en gauche, encore une fois, on va dire. AFK expérience en plus de l'expérience AFK en plus et là encore en plus. À droite, pièce d'or 70k de base, 75k et 80k. Essence 80, 135 et 170. Je pense, je sais pas lequel faire en premier sur celui-là, c'est pas non plus la branche prioritaire, on va dire. The Big Torch. Donc celui-là. Donc, c'est pour débloquer la nouvelle fonctionnalité. Donc, comme vous pouvez le voir, on la débloque une première fois, une deuxième, 3, 4, 5 et je dirais une sixième fois. Je suis pas sûr. Ou peut-être que ça, c'est juste pour débloquer la fonctionnalité. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6. Donc, on peut le faire jusqu'à 6 fois par mois, j'ai l'impression. Et c'est en fonction du nombre d'ascended que vous avez. Donc, là, vous le débloquez au premier ascended, je pense. Ou juste comme ça, peut-être que vous le débloquez de base. Là, au bout de 10 ascended, je pense, là, 20, 30, 40, 50. Et vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer juste après. Donc, pour finir, Longthorn, donc qui se débloque au milieu ici et sur ces deux côtés-là. Donc, le premier qui se fait ici, l'essence de héros AFK plus 25, plus 25, plus 25 et plus 25. Donc, c'est en fonction du level de player. Donc moi je suis largement au-dessus de 180 donc ça me dérange pas. AFK Reward pièce d'or 50%, ça je pense c'est ce qui va être focus à moins que l'autre soit bien. Et l'expérience aussi est pas mal, donc je verrai. Mais je pense faire les pièces d'or parce que les pièces d'or vont être utiles, vous allez voir juste après. Donc pareil 50, encore 50, encore 50. Et là 75 pour l'essence et l'expérience plutôt. Et là l'essence voilà, ça fait plus 25 donc plus 100, plus 100. Et là ça doit faire un truc utile 300%, voilà. En sachant que le dernier se débloque au level 170, ici au level 160 et ici au level 180, voilà. Donc, on va regarder la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Hero Choice Pack, donc choisissez un héros souhaité. Vous pouvez choisir un héros et en fait ça fait des pools. Alors je ne sais pas si ça fait des pools dans la wishlist ou pas, malheureusement je ne peux pas vous le dire pour l'instant, je n'ai pas ces informations là. Mais si vous avez un élite ou plusieurs, je ne sais pas si c'est un compte, si vous en avez plusieurs, vous pouvez, je pense que vous pouvez en remplacer qu'un, malheureusement, si vous avez plusieurs élites dans la même invocation. Donc, en sachant qu'il n'y a pas la réduction en x1 ou en x10, donc faites des x10 quand même, même s'il n'y a pas la réduction, parce que c'est du théorie, c'est des probas, point. Vous pouvez le faire un certain nombre de champs de fois par mois, donc 6 fois maximum, voilà. Et en fait, quand vous avez un élite, vous pouvez remplacer cette élite par celui que vous voulez. Donc celui que vous avez prédéterminé par contre, donc faut faire gaffe. Donc là vous pouvez voir qu'on a mis Sorus parce que Sorus c'est le héros à avoir actuellement. Et du coup ça rajoute un deuxième gacha comme ça que l'on peut faire, qui coûte un peu plus cher que les autres, entre guillemets hein, bien sûr. Mais vous pouvez avoir le héros que vous voulez, donc c'est un mini Stargaze vraiment très intéressant. En sachant que vous ne pouvez pas mettre de Céleste, de Hypogéen ou de Dimensionnel bien sûr. Et Dimensionnel c'est un peu normal. Mais voilà, du coup c'est vraiment très intéressant. Voilà, quand un héros élite va être remplacé et... Ok, on peut quand même faire des tirages dans cette truc-là, mais on n'aura pas le héros si on a déjà utilisé nos chances de l'avoir. Donc je pense que si on fait une multi et qu'on en a deux, bah ça consomme deux chances, voilà, tout simplement. Et ça remplacera les héros élites, voilà, tout simplement. Je pense avoir fait le tour, donc mini Stargaze et tout, et on peut même mettre de Céleste ou de Hippo, donc... Voilà, moi je pense prendre mon Iron parce que là ça fait 5 mois que j'attends d'avoir mon dernier Iron, donc je vais le prendre, comme ça me fait un Sunday en plus pour le berge et c'est assez. Et après je vais faire des Sorus comme tout le monde, voilà. En sachant que, petite chose à voir, ici donc vous avez pouvez acheter les jetons de fourniture, donc de meubles, pour l'auberge du cétacé, donc ici ça doit être genre 5000 gold pour 100, et là c'est 200 diamants pour 200, je ne sais pas si celle-là est rentable, peut-être au début, mais peut-être pas à terme. En sachant, petit tips, je pense que si on a FK et qu'on récupère pas le coffre avant la mage, ça va nous compter et nous rajouter ces petites choses à FK, et voilà, tout simplement. Donc c'est deux petites choses à savoir. Donc je pense avoir fait le tour de la mage, bon bien sûr à part Mimisu et Satrana. Mais ça, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo pour voir les différences exactes entre les deux personnages. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. Elle a duré assez longtemps. Ça fait quand même deux grosses fonctionnalités. C'est vraiment... Bah, trois grosses même. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde.